Salut les gens. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 18 août 2021. Je viens faire un petit tour après le travail dans mes spots habituels pour voir un petit peu l'évolution. Voilà, donc il y a un petit quelques temps je vous avais pas fait de vidéo tout simplement parce que il y avait rien qui justifiait d'en faire une. Voilà, je suis venu une fois, j'ai trouvé quelques trompettes, vraiment très peu. Une autre fois, je suis monté en altitude, aussi quelques trompettes. Voilà, il y avait beaucoup de trompettes. Mais c'est tout. Donc voilà, là aujourd'hui, je me suis dit, je vais leur faire une petite vidéo, il y a un petit moment. Donc voilà, j'arrive à peine, on va aller voir ensemble ce qu'on y trouve. J'aimerais y trouver quelques cèpes, pourquoi pas. Des oranges, hein, c'est deux saisons en tout cas chez moi. Bon, honnêtement, là, j'ai prospecté un petit peu en arrivant là où je suis à l'heure actuelle, j'en ai pas trouvé. Hein. Mais bon, on va les voir quand même ensemble. Allez, c'est parti, les amis. Bon, bah, vous voyez, je trouve quelques beaux pieds de mouton là, quelques idnum répandum. Donc, on va les prendre. Hop, ah, ils sont beaux. Alors, j'en ai vu quelques-uns en arrivant. J'en ai vu quelques-uns en arrivant, mais ils étaient complètement... les têtes, il restait que les pieds, les têtes étaient complètement bouffées par les limaces. Idnum repandum, le pied de mouton. Voilà, les petits aiguillons dessous. Voilà. Joli. Joli et très bon comestible. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais voir s'il y en a d'autres. Et... je fais mon tour habituel. Voilà, on va aller voir si éventuellement il y avait encore quelques trompettes. Et le summum serait de trouver des oranges. Mais ça, c'est pas tout le temps. Allez, j'avance. Voilà, là, ici, encore un petit pied de mouton. Ouais. Voilà, encore un peu plus petit que les autres. Là, il y en a un tout petit, je le laisse, hein, bien évidemment. Voilà, donc probablement des rescapés d'il y a une dizaine de jours, là quand j'étais venu la dernière fois, il y a un petit moment que je suis pas revenu là. Voilà, probablement un rescapé dès qu'il y aurait des limaces. Niveau météo, ben ça fait un petit moment, enfin relativement qu'on n'a pas eu de pluie, hein. Il y a eu quelques orages la semaine dernière, il a fait très chaud fin de semaine et ce week-end, donc... ouais, dimanche, je suis pas sorti parce qu'il faisait extrêmement chaud. Voilà. Et puis là, ça s'est radouci un petit peu. Enfin, radouci, hein, relativement. Hein, il doit faire dans les 25-26 degrés. Ouais, il y en a encore des petits qui poussent. Je vais le laisser. On va se contenter des plus gros. Ah, vous voyez. Là, c'en était des jolis, mais les pieds ont été... enfin, les têtes, pardon, les chapeaux... ont été complètement bouffés, donc tant pis, mais comme quoi il y en a encore, hein. Donc belle pousse de pieds de mouton là depuis une quinzaine de jours aussi. Voilà, donc ouais, au niveau de la météo, hein, les températures ont quand même relativement bien baissé, en tout cas comparé à ce week-end. C'est un peu plus respirable parce que ce week-end il a fait extrêmement chaud, hein. Donc c'est pour ça là ce soir je me suis dit que j'allais venir voir dans mes spots. Voilà. Vite fait après le travail, et probablement que j'irai faire un tour un peu plus conséquent ce week-end. Ah, je vois du orange de loin. Ou alors est-ce que c'est une feuille? Non, a priori. Ah non, vous voyez, j'ai vu ça de orange de très loin, mais non, en fait c'est une feuille, une simple feuille. Ouais, pas de cèpe, hein. J'aurais espéré voir un peu de cèpe bronzé, éventuellement des oranges, mais non, pas de pousse de cèpe. Très surprenant, hein, ces champignons. Hein. Comme je vous le disais, il y a 2 ans, il y avait une énorme pousse de cèpe. Là, cette année, il y a eu beaucoup d'eau, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il n'y en a pas. Donc, pourquoi? Allons savoir. Allons savoir. Mais bon, malgré tout, on trouve quand même,
on trouve quand même autre chose. Donc voilà, je pense que samedi j'irai voir si je trouve, pourquoi pas, des cèpes de Bordeaux. On verra, on verra. L'année dernière, pas d'orange. Cette année, pour le moment, non plus. Pareil, allez comprendre pourquoi. C'est comme ça. J'avance un petit peu avec vous. C'est toujours sympa de trouver en direct. C'est rarement le cas, c'est souvent quand j'éteins la caméra que j'en trouve. Ouais, ben je profite aussi de cette petite vidéo pour vous remercier, pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux qui me rejoignent. Vous êtes maintenant 2600 à me suivre, ça me fait extrêmement plaisir. Et en même temps, pour être tout à fait honnête, je suis très surpris parce que j'aurais jamais pensé arriver à toucher beaucoup de monde comme à l'heure actuelle. Voilà. Donc encore merci à tous. Voilà. Bon, écoutez, a priori, là pour le moment, je trouve rien. Donc je ne vais pas filmer rien. C'est pas la peine. Hein. Donc je coupe, les amis, et je vous reprends, bien sûr, si j'ai quelque chose d'intéressant. Allez, à tout de suite. Et donc là, pas de chance, un reste de girolles. Voilà, vraiment un reste. Une petite qui pousse à côté là. Allez, je vais la prendre. Ah si, elle est encore. Oui, si, ouais, elle est petite. Cantharellus palens. Mais bon, c'est les limaces qui s'en chargent, hein, dommage. Dommage, dommage. Là, je regardais ici parce que j'avais trouvé des trompettes, j'avais laissé des trompettes et il n'y a plus de trompettes. Ouais. Non, alors avec les feuilles là, c'est pas évident. Les moustiques sont toujours là, eux, par contre. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, pas de problème pour les moustiques. Ah, ouais, donc un petit restant de girolles. Vous voyez, là d'habitude je trouve des trompettes, mais j'étais venu voir et j'en avais pas revu. J'aimerais bien trouver quelques-unes. Dans ce coin-là, ouais, d'habitude je trouve des grosses trompettes même. Enfin, plus tard dans la saison, plus au mois d'octobre, novembre. Et là, comme je m'en ai trouvé il y a une dizaine de jours à peu près, j'avais laissé des petites. Elles ont dû être ramassées. Ouais, non, a priori. Elles ne sont plus là. Allez les amis, je coupe. Ouais les amis, alors là je trouve encore des trompettes des morts. Ouais. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup, hein, ça doit être quelques rescapés. Hein. Voilà, je vais la prélever. Bon, elles ont un peu soif là quand même. Hein. Mais elles sont belles, ouais, elles sont encore belles. Hein. Ouais. C'est de bien vous la montrer. Ouais. Cratrellus cornucopioides pour le nom latin. Avec une petite pensée pour mon poteau Tony. Cratrellus cornucopioides. Voilà. Bah écoutez, je vais prospecter là aux alentours, voir s'il y en a d'autres. Hein. A priori non. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Sur un malentendu. Donc je vais regarder tout ça.
Allez, je vous reprends si je trouve autre chose. Voilà les amis, écoutez, très courte vidéo, hein, voilà, pas trouvé grand chose en même temps, moi je suis pas resté très longtemps. Trois jolis pieds de mouton, une petite poignée de trompette, voilà, rien de transcendant, pas d'amanite des Césars, pas d'orange encore pour cette fois. Tant pis, je me trouve exactement où il y a 2 ans, où j'en avais trouvé 13 au même endroit, quasiment à la même période de l'année, mais là il n'y en a toujours pas. Voilà, bon, bah, écoutez, ça m'aura fait l'occasion de vous faire un petit coucou, de vous donner un peu de nouvelles. Je vous dis à très bientôt, très probablement ce week-end. Ouais, certainement ce week-end. Allez, passez une bonne fin de semaine et prenez soin de vous. Ciao les gens, bye bye, à plus.